8h30. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le chapitre 5 de Fantasmagoria, et aujourd'hui, il fait nuit, et la nuit, il se passe des choses dans le manoir de Zoltan Karnovac. Alors salut tout le monde, c'est Louis. Oh, excusez-moi. Salut tout le monde, c'est Louis. Alors voilà, chapitre 5. Il fait nuit, et on va faire le petit tour du propriétaire, comme d'habitude, pour voir s'il y a des choses qui changent, et à mon avis, on va bien se marrer. Alors, le PC portable, qu'est-ce qui se passe? Sortez, ne vous fiez pas. Sortez, ne vous fiez pas. Voilà, moi je vois rien d'autre. Bon, ça n'a pas l'air si important que ça. Alors ça je passe, on s'en fout. Et c'est parti. Alors, la télévision. Fausse alerte. Il ne se passe rien avec la télévision. C'est moi ou j'ai entendu des craquements? Il y a des craquements, non? Non, je m'en fous, je verrai plus tard. Je crois que j'ai entendu des craquements. Je sais pas si ça venait de chez moi ou... Ou je sais pas. Il y a un fantôme chez moi, au secours. Allez, dépêche-toi, Adrien, on n'a pas le temps. Ah, j'ai pas été voir la sculpture... Enfin, pas la sculpture, le truc en dragon, je sais pas quoi. C'est que ça. Non, c'est toujours pas ce que c'est. Je reviendrai plus tard pour voir, hein, forcément. Alors, par ici, la salle de bain. Rien de spécial. Non, il y a toujours de l'eau. Le miroir, peut-être. Non, rien de spécial. Si je clique là, elle va se laver les mains, donc... non. Non, j'ai pas envie d'aller faire caca aujourd'hui. Alors la chambre d'enfant, forcément il va avoir un truc avec le fantôme là. Alors là, toujours rien. J'ai entendu un bruit. Du coup, je sais pas si ça vient de chez moi ou si ça vient du jeu. Y a pas l'air. Hein. Toujours le même délire. Ouais, ça colle. Non. Rien de spécial. Alors dans la tour, hein, forcément. Peut-être voir, je sais pas, moi, un flashback avec Malcolm, pourquoi pas. Malcolm qui vivait dans la tour de Zoltan. Dans sa jeunesse. Ici peut-être. Oui, non, peut-être, rien.
Non, j'ai vraiment trop d'imagination. Voilà. J'ai peur de rater des trucs, quoi. Toujours rien ici. Ah. Non, c'est quoi ça? C'est rien, c'est le pont. C'est le pont, donc là il n'y a rien. Alors je sais pas si je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai des pertes de mémoire. j'ai refait le jeu en entier, voilà, parce que ma sauvegarde s'est plantée. Et du coup, bah, tant mieux, parce que j'ai récupéré plein de... Enfin, j'ai fait plein de petites captures sur des trucs que j'avais complètement laissé passer, quoi. Et puis voilà, je vous ferai ça en bonus à la fin. Avec plein d'autres trucs, vous verrez bien. Ah ah! Alors là, déjà, le miroir, il se passe un truc. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin, les tableaux. Toujours rien. La machine ici. La machine de torture. Non, rien de spécial. Et attention, on s'accroche. On va regarder notre reflet dans le miroir. C'est parti. Pitié! Non! Je te supplie! N'arrête jamais de parler, hein? Jamais, jamais! Ne fais que marmonner et marmonner encore! Dernière volonté? Non? Elle ressort comme si de rien n'était, il s'est rien passé de bizarre. Ouais, bon, ben là on vient de voir une femme qui apparemment s'est fait retourner la tête. Et qui continue à crier, hein, apparemment. Après un tour de tête, elle a encore la capacité de crier. J'ai entendu. Putain, j'entends des bruits, moi, hein, c'est grave. Si ça se trouve, c'est dans le jeu. J'ai peur. Alors, est-ce que mon chéri... Ah. Non, c'est toujours la même animation que dans le chapitre 2, 3, je sais plus. Là, elle va frapper. Ouais, ouais, bon, c'est toujours la même chose. Alors ici, il y a un miroir. Espérons que... Ah ah. Bon, un petit tour avant le gramophone. Il se passe rien. La chaise. Elle picote. Oh. Et attention le miroir. Cette petite fête est pour toi, Regina. J'ai préparé tout ce que tu aimes. Hein, que ça a l'air délicieux. En entrée, les abats dans une belle sauce marinara. Trip aigre douce.
encore faim? Cervelle grillée. Ah oui, délicieux. Oui. J'arrive, hein, 2 secondes. Voilà, voilà, je suis là. Pas de panique, je suis là. J'ai une envie pressante. J'ai une petite envie. Alors, voilà, je suis là. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand-chose, hein, sûrement. Petite animation. Je sais pas, je la verrai plus tard. Ça devait pas être grand-chose. Alors, on va aller par là. Pour voir. Il y a encore un miroir ici. Et peut-être un truc dans le coin de la pièce, qui me chiffonne depuis le début de ce Wolfrug. Wolktrug, Wolfrug, Weka, je sais pas comment on prononce. y a rien. Il y a toujours rien. Alors le tableau qui fait peur, est-ce qu'il fait plus peur la nuit? C'est pas lui qui s'est fait tordre le cou? Si, hein. Non, c'est pas elle. C'est pas elle, je sais pas. Oui, donc il y a. Je me souviens, l'antiquaire Lou, qui nous a parlé de cinq femmes de Zoltan. Des cinq femmes. Et à mon avis, on va voir. Pourquoi pas, hein, j'imagine, 5 meurtres. Donc là, je commence à avoir des souvenirs du jeu. Hein. Je bluffe un petit peu quand même. Donc là, toujours la lettre. Mon très cher Gaston, j'adore... Gna 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 gna, on s'en fout. Je veux voir le miroir. Non, elle fait la belle. Elle fait la belle, rien de plus. Alors le lit... Peut-être... Non. Non, je reconnais les animations, quoi, donc... Alors la fameuse pièce en face où je me suis fait attraper au début par les mains mortes-vivantes, là, les mains zombies, je sais pas ce que c'était. Alors il n'y a plus un truc qui brille, non? C'est bon? Ah le tableau, il va me faire peur le tableau aujourd'hui. Enfin cette nuit. Obligé. Non, vous inquiétez pas, ce n'était qu'une impression. Vous n'avez rien vu, ça n'a pas bougé. Alors, ici, la boîte à bijoux. Peut-être quelque chose, je ne sais pas. Non. Ah, je suis obligé. C'était pas une couleur différente? Non, ça c'est encore mon imagination. On va fouiller ici, le tiroir de Dan apparemment. Puisqu'il y a ses cigarettes. Il n'y a rien d'autre, hein. Ah non, ça c'est pour fermer. Alors ici. Ah, il manque une cigarette. Allez! Ah, je peux rien faire. Donc, il manque une cigarette. Il se passe un truc? Non. Bon, il va peut-être falloir retrouver la cigarette, je sais pas. Voilà, on va aller par là. Dépêche-toi. J'ai tout fait par ici. Hein. On va descendre.
voilà. Qu'y a-t-il, Cyrus? C'est maman. Elle m'a dit de vous dire de venir à l'étape. Attends. Pourquoi, Cyrus? Je crois que ça a un rapport avec... Une séance. Oh, ok. Merci, Cyrus. Une séance. Eh ben, avant d'aller voir la séance, je vais aller faire une séance de voyance multilingue. Alors là, elle va nous faire son tour. Oula, ça manque d'huile, hein. La musique, elle a changé. La musique est différente. Nous vous surveillons, vous n'êtes pas seul. Je commence à me sentir seul. C'était pas marqué ça, je commence à me sentir seul. Alors nous vous surveillons, vous n'êtes pas seul. Ouais, c'est pas vrai, y'a personne. Y'a personne qui me surveille. J'ai bien regardé, il y avait rien dans le monnayeur. Alors là, encore un tableau qui fait peur. Et les tableaux, ils font pas peur. Ils font jamais peur, en fait. Ça fait pas peur. La bibliothèque. Il ne se passe rien de spécial. La chapelle. Ah. Toujours la même chose, la boîte. Avec le livre. Elle le prend pas. J'en ai pas encore besoin pour le moment. Alors. Ah ben je vais d'abord aller à l'étable. Parce que sinon, je vais sauter des étapes. Et ça, c'est pas bon. On entend les grillons. Ah, c'est joli. Bon, alors les tables, c'est par là. Derrière la voiture, ici. Et c'est parti. Ah, bah, c'est la fête. Maman, elle est ici. Bienvenue. Oh, toi qui cherches à parler aux esprits. Bonjour, Harriet. Je vous en prie, prenez place. Que la séance commence. Esprit de l'au-delà, répondez-nous, parlez-nous, ô ombre des ténèbres, donnez-nous un peu de votre essence.
un signe de votre présence spirituelle. Quoi que sa mort. Oh, âme sans peine, cette femme veut des réponses, mais à des questions inconnues. Vous devez juste... Oh non! Oh mon Dieu! Zoltan Carnovache, j'ai voulu en savoir trop. J'ai ouvert la porte d'une autre dimension. J'ai libéré une monstruosité, une entité venue du mal. Elle était enfermée. Maintenant, la pestilence va une fois de plus nous infecter. Vous êtes l'élu. Seul vous pouvez la vaincre. Trouvez le dragon. Il vous montrera. Pas vu? De quoi? Henriette, c'est réussi. Vous avez réussi. Vous ne me faites pas marcher, hein? Non, je ne ferai pas ça. Ça ne peut jamais arriver avant. Radi. Eh bien voilà. Alors je vais retourner, on sait jamais. Ah, il y a peut-être quelque chose ici. Non. Non. Alors là, on vient de voir Zoltan, qui apparemment n'était pas méchant à la base, hein. C'est juste qu'il était un petit peu curieux, il a trouvé un truc, et forcément, il s'est pris les pieds dans la semoule, et voilà, de fil en aiguille, il a eu le démon en lui. Oh là là, j'ai perdu le mot que je voulais dire. Donc je vais aller dans le village, peut-être. Oh, il est trop tard pour aller en ville. Les boutiques sont fermées. Oula. Il y a eu un bug, elle a disparu dans le néant. Et qui t'a dit qu'on allait faire les boutiques aussi T'es marrante, toi. Je vais aller voir. Donc oui, Zoltan qui a été... démonifié. je sais pas. Possédé. Bon sang, oh là là. Zoltan qui a été possédé par un démon parce qu'il a... Il a cherché, je sais pas, il est tombé sur un truc et puis voilà quoi. Rien du tout. Ah bon. Donc c'est pas Zoltan en fait qui est dans le corps de Don, c'est juste
C'est juste le diable, hein, voilà. Et cette conne... Eh ben, elle leur foutu le bordel. Alors ici, il se passe toujours rien. Il fait bien le calme, ici. Rien qui traîne, rien qui brille. Ah, je peux plus regarder par là. Alors dans la serre, il se passe toujours rien. Le squelette est toujours à terre. Peut-être va-t-il me parler. Bonjour. Elle ne me parle pas. Elle fait dodo. C'est normal, il fait nuit. Mais on peut pas aller par là, on peut aller par là. Alors là, je vais me dépêcher. Et je vais aller voir le dragon. Le dragon tout en haut. Donc oui, jeu d'aventure très dirigiste. Il n'y a pas beaucoup de recherche à faire, c'est très facile. C'est bizarre qu'il n'y ait rien ici. C'est dommage. J'ai été par là? Non, j'ai pas été par là. J'ai pas été voir la grosse tête à l'avant. Ah, j'ai pas cliqué. Hein. Ah, c'est vraiment dirigiste, quoi. Bon bah tant mieux. Hein. Oh non, pas Spatz! Et quoi, elle l'a foutu dans le feu? C'est dégueulasse! Elle aurait pu l'enterrer! Non, mais elle est tarée, elle! Non, je veux le récupérer! Alors, il est où? Elle a bugué, hein, Adrienne. Alors là, il y a encore un tableau. Un tableau, un miroir. Celui-là, il fait bien peur. J'ai envie de cliquer sur le tableau avant. Oui, je joue aussi. Hein. Je découvre en même temps que vous, donc je joue. C'est pas un Wolf Hawk, c'est un live playing. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Allez, c'est parti.
À mon cher mari. À la tienne. Non, à la tienne, Victoria. Non, à la tienne, Victoria. Oh là là. Quelle superbe tirade. Eh bien, c'est ce qui s'appelle avoir chez nous un verre dans le nez, hein. Alors, c'était Victoria. Alors, celle-là, je l'ai retenue, Victoria. Donc, on en a vu trois. Non, deux. Non, trois. Oui, oui. La fan de charcuterie. Le robot. allez. Alors, on va aller voir dans la cave. Quand je disais le robot, je pensais à Nono, le robot. Mais, pff, voilà quoi, on s'en fout. On s'en fout de la trappe. Pourquoi je passe pas la trappe? Ah nanana nanana. Parce que j'ai peur, voilà pourquoi. Ah ben merci. Je ne l'aurais pas trouvé. Y a pas de mode de difficulté, hein, non, non, c'est normal, tout est normal. Et je vais aller voir le truc qui brille. Attention. Ah. Ah, ben, il se passe rien. Bon, je vais essayer avec les armes que j'ai. Les armes, les objets. Ah, peut-être que ça. Je dois l'ouvrir, peut-être. Voilà. Non. Non. Ah bah, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire ici. Ouf. On va aller par là. Il fait très calme dans la cave. Et c'est bizarre le tonneau là qui brille. Bon. Ben tant pis. Tant pis, on reviendra plus tard. Donc ça faut pas l'oublier. De toute façon, j'oublierai pas. Puisque je refais le tour à chaque fois. Allez, on s'en va. Et je vais retourner dehors parce que j'ai pas fait le tour encore. J'ai pas été voir la grosse tête déjà. Oh non. Alors désolé si vous entendez une alarme. Généralement quand on entend l'alarme, c'est parti pour toute la nuit, quoi. Quartier de merde. Ceux qui me connaissent comprendront. Y'a plus de chat, y'a plus de chat. Et la tête qui fait peur, attention. Enfin, elle fait pas peur la tête.
Ah mais t'es super bien intégré dans le décor. On dirait un pins. Il y a un pins dans l'herbe. Alors j'ai pas été par là. Je suis sûr qu'il y a un truc ici. Ça me semble bizarre. Tiens. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins? Oh là là. Ce truc, je l'ai raté depuis le début. Depuis le début, c'est là et j'ai pas été, quoi. Ah, ça, c'est naze, quoi. Ben voilà, encore des trucs que je devrais capturer en vidéo. Ah bah ça c'est con, si se trouve il y avait un truc ici et du coup on va pas pouvoir le voir. Oh non. Bon bah tant pis. Tant pis, désolé. Je referai une vidéo, promis. Alors on va retourner dans le manoir. Je reviendrai quand même ici avant la fin du chapitre. Parce que ce serait quand même dommage. Où est-ce que je peux aller encore une fois? Mais qu'est-ce que... Alors maintenant qu'il y a eu ça, peut-être que ça a débloqué le truc dehors. Alors je me souviens qu'il y a un truc dehors parce que dans le teaser du jeu, il y avait une scène. Et je me souviens de cette scène, voilà. Alors je passe le passage ici, je vais à droite, je vais à gauche. Eh bien voilà, je le savais. Une rose rouge pour la plus belle fleur. Oh Gaston, je t'ai manqué. J'avais si peur que tu ne viennes pas. Comment peux-tu dire ça, ma chérie? Je n'ai fait que penser à toi. Oh, mon ange, je t'aime tellement. Zoltan est au courant, Gaston. Il a trouvé mon collier. J'ai dit que je l'avais acheté à Londres, mais il sait. J'ai tellement peur de lui. Tu dois t'enfuir avec moi, Marie. Je vais t'emmener loin d'ici. Je ne peux pas. Il me trouvera. Je sais que oui. Il me tuera comme il a tué les autres. Bientôt, Zoltan va tenter son nouveau numéro pour la première fois. Je peux m'arranger pour que la machine se bloque. Il ne pourra pas s'échapper. Mais le feu... La lame? Oui, ma chérie. Il n'y survivra pas. Dis-moi ce que je dois faire. Bon, bah voilà, ça commence à partir en eau de boudin. Et maintenant, c'est à l'eau de rose. Donc voilà, là on vient de voir la blonde, là c'était celle qui vit dans le... qui vivait dans la chambre avec le coin bizarre, là, le coin qui me chiffonne. Et Gaston. Donc la lettre, c'était une lettre adressée à Gaston, voilà quoi. Alors qu'est-ce qu'elle fout dans la chambre de celle qui l'a envoyée? Oui, c'est bizarre, c'est bizarre.
Alors, je vais peut-être retourner dans la chambre. Peut-être qu'il va se passer un truc. Voilà, donc c'était elle. C'était elle, et il se passe rien. Bon. Maintenant, je vais aller voir le dragon. Que Zoltan m'a conseillé d'aller voir. Non, la porte, je ne la sais plus. Tant pis. Alors. Ah, c'est mal fait. Oui, j'avais compris. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le designer de ce truc... je sais pas ce qu'il avait pris, mais... Il ne doit pas avoir pris grand chose. Oula. Ah, c'est super moche. Hein. C'est moche. Pourquoi il regarde vers le haut? C'est ici que ça se passe. Le dragon montrera le chemin. Mmh. Il est là, le dragon, il n'est pas là. Là, il y a des craquements. Donc, j'avais pas rêvé. Je vais aller revoir le tableau, peut-être, avant d'aller là. Je vais refaire le tour en vitesse. Le sac, il se passe rien. Le tableau, toujours pareil, comme tout à l'heure. Ouais, non, il se passe rien. Le tableau. Le petit tableau, ici. Signé Léonora, je crois. Oh là là. En plus, il faut attendre. Bon, alors, on va passer à travers le mur. J'imagine qu'il y a un passage secret, forcément. Suivez le dragon. Ça alors ? Un passage secret ? J'adore les passages secrets. Alors ici je peux aller par là. Ouais. Et aller à gauche. Aller à droite et aller à gauche. Faut aller à gauche. Oh non. À mon avis c'est de là que je viens. Ouais. Oh là 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 là. Allez rentre. Voilà. On va aller à droite. Ah, je dois rien faire, ça le fait tout seul. Alors là, il y a une porte. Il y a un truc ici. Et un truc par terre. Voilà, il y a trois trucs. Je vais ramasser... Ah ben la voilà la cigarette.
Jordan est passé par là, forcément. Ici. Enfin, j'ai retrouvé le coin, à quoi ça servait? Bon, bah ce n'était que ça. Alors, est-ce que je peux y retourner? Oui, parfait. Alors, je vais aller par la porte, ici. C'était pas une porte. C'était un couloir. Alors, ici, je peux remonter. Je peux redescendre, ok. Et je dis tout le contraire. Allez, descends, dépêche-toi. À gauche. Ou à droite ou tout droit? C'est trop loin. C'est un sacré saut. C'était pas par là. Donc là, je reviendrai plus tard. Je sais pas, un objet, non, ça sert à rien. J'ai pas d'objet pour aller de l'autre côté. Peut-être réessayer une deuxième fois. Ah ouais, mais t'es conne. T'en souvenais plus? Allez, on va continuer ce couloir inquiétant, lugubre. Ah ouais, là, ça devient lugubre. Allez, c'est parti. Courage. Ah, je vais ressortir ailleurs. Zut! Il ne doit s'ouvrir que de l'autre côté. Ah ouais, ça c'est chiant. Bon, ben voilà. Donc là, j'imagine que je suis de côté de la grosse porte, hein, au début. Logique, hein, c'est logique. Donc là, on se retrouve dans le théâtre de Zoltan. Et ça, c'est la fameuse chaise dont parlait la femme, là qu'on vient de voir avec Gaston. Ok. C'était comme dans la séquence du jeu, la séquence d'intro. Alors je peux rien faire ici, apparemment avec la chaise. Non. Donc ouais, les deux tourtereaux veulent se débarrasser de Zoltan et ont décidé de péter la machine pour qu'elle ne tourne plus. Pour qu'il ne s'échappe plus. Enfin je sais pas, j'ai pas trop bien compris ce qu'ils ont voulu faire. Enfin voilà, ils ont voulu piéger Zoltan. Hein. Alors ici, le chapeau. Ah, il y a un truc au-dessus. Carnot et Malcolm, 1897.
J'avais pas vu le clown. J'aime pas les clowns. Ça me fait peur, les clowns. Carnot, en ouvrant la porte mystère. Et ici, attention, un miroir. Accrochez-vous. Waouh, c'était la scène la plus gore de cette vidéo. Ah, j'ai eu peur. Bon, bah apparemment on arrive à la fin du chapitre. Enfin, je crois. Je vais passer la porte. Et à mon avis, c'est la fin. Alors la grosse clé... Bah non. Ici. Non. Don. Regarde-toi. Je m'en fous après tout. Je m'en fous, voilà. Je vais me coucher. Eh bien, moi aussi, je vais me coucher. Ben là, on vient de voir Don en train de cuver ivre mort son absinthe. Voilà, c'était le chapitre 5, c'était pas mal. Et on se rend rendez-vous pour le chapitre 6, bien entendu. Voilà, salut à toutes et à tous, ciao ciao.